J'espère que vous allez bien. Ça y est, je vous ai enfin donné la date de mon vide dressing. C'est un vide dressing que je fais avec Jo et Joséphine en faveur de l'association SOS Préma. Comme vous le savez, c'est une association qui forcément me touche vu que Mathia et Maë sont nés prématurés, que petite Alba avait de l'avance elle aussi. Et voilà, je suis très contente de pouvoir faire cette vente. Pour celles qui ne connaissent pas le principe, demain à 10h s'ouvrira sur le site de Jo et Joséphine. De toute façon, je vous remettrai tous les liens ici. Donc s'ouvrira la vente. Vous pouvez acheter et 15% en fait reviendra à l'association. Je un message me demandant s'il y allait avoir justement des vêtements des jumeaux en taille prématurée ou des vêtements d'Alba en taille préma, justement parce que un pourcentage de la vente reviendra à l'association SOS Préma. Mais en fait, non, il n'y aura pas parce que j'ai fait don des vêtements des petits à la néonate déjà. Donc tout ça, il me reste plus. Et sinon, il y aura de la taille naissance à la taille 9 ans. Il me semble aussi bien pour garçons que pour filles. Il y a des articles neufs parce que j'ai pas eu le temps de leur mettre, parce que les enfants ont grandi trop vite, parce que voilà, pour un tas de raisons. Et voilà, je suis contente que tout ça puisse servir à d'autres personnes. Sinon, j'ai eu beaucoup de messages me disant « Mais Camille, pourquoi t'es en blazer, chemise et tout sur ma photo d'hier ?» Mais en fait, les gars, ça caille chez nous. Il faisait, hier, on est sorti tôt, on était autour du lac, il faisait super froid. Donc voilà, j'ai gardé ma chemise et mon blazer. C'était pas une photo qui date, non, non, c'était bien une photo hier du 2 juillet en Moselle. Donc voilà, mais je crois que beaucoup de belles personnes d'entre vous, juste ici, ont entendu mon appel au secours et m'ont envoyé un rayon de soleil car il fait beau aujourd'hui et s'il fait beau, j'attends ça avec énormément d'impatience. J'ai reçu ma copine Daisy, enfin plutôt de son mari, un très très beau brasero et j'en suis dingue. Pour vous la faire très court, Daisy c'est quelqu'un que je suis depuis... Jadou était toute petite, donc pour vous dire, depuis maintenant plusieurs années. Et c'est un de mes coups de cœur Instagram. Et voilà, j'adore discuter avec elle. J'adore, voilà quoi. Hein, il y a des choses qui dépassent les réseaux parfois. Et son mari, il fait des choses beaucoup trop cool. Et ce brasero de l'amour. Mais franchement, je n'attends qu'une chose, c'est que mon extérieur soit fait pour qu'on puisse en profiter. Et ça va être beaucoup trop cool. J'ai acheté des chamallows déjà depuis le début de la semaine et j'attendais ça avec impatience. Donc si aujourd'hui la météo est avec nous, ce soir, soirée chamallow autour du feu avec les enfants avant qu'ils partent. Car les enfants partent en vacances avec mes parents. Les trois grands partent en vacances demain avec mes parents. Du coup aujourd'hui, préparation des valises, tout ça, tout ça, tout ça. Nicolas et moi, on a beaucoup de travail sur la semaine qui arrive. Donc voilà, c'est chouette si les enfants peuvent aller profiter de papy. Et voilà, je suis trop contente pour eux. J'irai bien avec, mais je suis trop contente pour eux.